violence. C'est parti. Ouais, mais là je vais me faire défoncer. Voilà, je me suis fait défoncer, c'était obligé parce que je me suis pas préparé au truc. Donc ça je vais le garder. Je vais prendre ça, je vais le garder aussi pour le boss final. Je vais prendre la mitraillette. Merde. Voilà, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est taper les bidons, mais c'est pas évident. Alors là, on va prendre. Ouais. Je pense qu'ils doivent nous en donner un petit peu là, quand même. Carte informatique. Ok. Ok, donc là le seul secret qu'on a ici. Ah oh, yes, ouais, il m'en donne à foison. Ok, là c'est bon. Voilà, le seul secret qu'on a ici, c'est... Non, c'est là-bas. Ici. Voilà. Pour l'orbe. Vous voyez, un secret. Voilà. Il nous reste 14 mondes sur 61. Et ça sera du 100% pour celui-là aussi. Alors là, c'est parti mon kiki. Ça va déchirer. Donc là, on va se mettre... Non, c'est pas ça que je veux. Non plus. Non plus. Non plus. Eh ben, il est où mon truc? Voilà. Rocket Launcher. Pas le truc pour être invisible. Alors, il faut d'abord s'occuper de toutes ces merdes là qui font yesh. Ah ouais, c'est des sacs à PV en ultra-violence. Là on va prendre le launcher, je vais me transformer en bestiole. Voilà, il est où? Je me suis transformé en lui en fait. T'es passé où, salaud? Hop, ouais, c'est un temps réduit. Est-ce que je peux me retransformer? Non. On va se casser un peu d'ici. On va prendre le Rocket Launcher. Et on va y en mettre plein sa gueule. Ici. Ouais, t'es pas content. Oh 14, il faut que je fasse attention. Voilà, c'est fait. Les deux boss sont réglés. On va prendre des munitions. On va faire gaffe à eux là-bas. Ils sont dangerous. Voilà. Ça c'est good.
Et en plus, en bas, on a un comité d'accueil, donc je vais essayer de trouver... Je peux plus y aller... si, peut-être par là. Voilà. Des munitions. Voilà, là, par contre, on va pas prendre de risque, on va prendre ça, parce que sinon, je vais me faire péter la gueule avec le... S'ils sont trop près. Je vais voir si je peux pas m'augmenter un peu des munitions. Ah si, peut-être... Oh, il y en avait là. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Pour faire du 100%, il en reste une trentaine à défoncer. 26 exactement. Voilà, c'est le bouquet final. Non, je veux pas ça, je veux pas ça. Voilà, tant pis, on va prendre ça. Il en reste... ouais, putain, il en reste... quelques-uns, quand même. Sur 61. Ah, mais oui, d'accord. C'est parce qu'en fait, là... Ouais, y a pas, je pourrais pas faire le 100% parce que le reste, me semble-t-il, si je dis pas de conneries... Ah, ça, c'est pour le... Ah, si, si, ouais, normalement, c'est quand je vais faire ça. Non, même pas. Même pas, c'est ceux qui sont à l'intérieur qui vont me tuer. Pour pouvoir après faire le Doom Inferno en fait, voilà, c'est ça. Donc là forcément on n'aura pas, on pourra pas tous les tuer, mais voilà. Donc du coup, ben, on a fini, on va passer, voilà, voilà, ça s'arrête comme ça en fait. Là on est tombé dans un guet-apens. Après avoir vaincu les gros méchants et nettoyé la base lunaire, vous avez gagné, non pas vrai. Et oui, donc votre récompense et votre billet de retour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas la fin, ça sent la viande putréfiée, mais on dirait la base Deimos. Vous êtes apparemment bloqué aux portes de l'enfer, la seule issue est de l'autre côté. Pour vivre la suite de Doom, jouez aux portes de l'enfer et à l'épisode suivant, Inferno. Voilà, les petits amis, on a fini Doom en 100%. Et en brutal, et en brutal Doom et en ultra violence. Donc voilà, c'est très faisable. Il suffit après de connaître le jeu un peu. Et c'est surtout les items qui sont pénibles quand il en reste que un ou deux à trouver. Et c'est, mais bon, ça se fait, hein, vous avez vu. Donc voilà, voilà les petits amis, merci pour ceux qui ont suivi ce stream, je vous dis à très très bientôt. L'épisode sera retransmis sur l'épisode sur la chaîne pardon, YouTube de Tony Nono Gamer, la même que Twitch. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est possible de faire 100% en ultra violent sur Brutal Doom. Donc je vous dis à très très bientôt, et peut-être que le prochain objectif sera de le faire en moins de temps possible, d'essayer de le runner, de le speedrunner même peut-être. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et surtout comme d'habitude avec la devise Tony Nono Gamer, amusez-vous bien. Salut, bye bye, ciao ciao.